même ce gouvernement-là n'est plus à l'esprit danser à droite, à gauche, qui lit la loi Bardin et advice acting solicitor general, qui lit le vice-président de la République, donc compensation salariale, c'est vraiment le cafouillage généralisé. Quand on prend contact avec la présidence, on connaît qui, Madame la présidente de la République, peut rentrer seulement jeudi. Comment y rentrer, moi, pour demander une entrevue avec lui. Mais dans l'intervalle, on écrit une lettre à l'acting présidente de la République. Mais Madame Belpo, il ne répond moi qui, the point raised in the above mentioned letter has been noted and further advice is being sought accordingly. C'est-à-dire, il prend l'opinion du parquet, hein, du State Law Office. Dans la lettre qui moi m'ont écrit, moi je dire que nous un état de droit, mais pas capable d'aller l'avant, à Point Bandimoun, près de serment. Et là, c'est Ombudsperson for Children. Je dis, mais pas capable de l'avant. Mais dans l'intervalle, il a de l'avant avec la cérémonie. Comme on dit dans mon lettre, selon le ruling de l'acting solicitor general, appuyé au Parlement par Bardin, Ivan Colanda-Vellou et Sarali Rudjagnat, tout ça là, anticonstitutionnel. Mais selon le ruling du acting solicitor general approuvé par le gouvernement, tout ça là, anticonstitutionnel, illégal. Donc je te carriole. Y compris sa cérémonie de prestation serment par le Ombudsperson for Children, complètement illégal, anticonstitutionnel. Évidemment, qui nous peine n'a rien contre Mme Rita Venkata Soumi. Au contraire, hein, on approuve qui nomme lui comme Ombudsperson, il est parfaitement qualifié. Et il est plus intéressant qu'on est quand la présidente de la République une consulté State Law. Mais qui State Law il dit? Moi, je supposais qu'il le sollicité général, il rentre dans le pays. Est-ce qu'il approuve sa advice de acting solicitor general là? S'il y approuve, ça veut dire qu'il peut désapprouver 20 bananes de ruling qu'il lui donné. Et s'il n'y pas approuve, ben, qu'arrivé? Ben, tu vises un bloc. Bloc tout, bloc prestation de serment, et attendre qui state leur office dire qu'il peut arriver. En tous les cas, prochaine fois qui pour consulter moi, évidemment, nous parlons de la Cour suprême. Prochaine fois qui présidence de la République pour consulter moi l'hôtel ou telle nomination, mais pas demande-moi faire quelque chose d'illégal. Pas demande-moi, leader de l'opposition, faire quelque chose d'anticonstitutionnel. Là, peut faire la présidence. Moi, pas blâme Mme Belpo, hein. Indirelli organise sa cérémonie près de serment de Ombudsperson, l'inferli. Ah ben, faire présidence de la République, faire des affaires illégales, anticonstitutionnelles. Vous avez réalisé ce que ça veut dire, ça. Là, d'après ce qu'il m'a trouvé, une bien fané, le Premier ministre, il retire sa motion, en catastrophe, alors je suis posé pour, roule pas un mot, jusqu'à mars. Il dit, moi, bien content, Mme Belpo, moi, j'ai d'autres francs. Mais, papa, moi, tu es dans sa place. Non, pas, tu peux accepter. Reste bouche-trou comme ça, jusqu'à mars. Le MMM condamne le plus sévèrement possible comportement et bonne parole inacceptable et insultante d'Ani Rudjagnat, c'est qu'il a causé sa mépris pour ban attendant, pour ban travailleur manuel et pour ban petit salarié en général. Et nous pas oublier qu'il s'avine après ça l'épisode Congé public. Hein. Dans les deux cas, c'est autres qui ne fait ban promesse électorale. C'est autres qui ne raise expectations. C'est autres. Et dans les deux cas, plus la loi Bardin, pour moi, il est clair qu'Ani Rudjagnat n'est plus comprendre rien. Il gaga complètement. Il n'est plus comprendre rien. Il est complètement dépassé. Dans le Parlement, il dit, il y a telles affaires, nous les voyons. Il dit, ah bon, mais tu crois, Il arrête l'aime. Qui dit dans le cas la loi Bardin, qui dit dans le cas vice-président, il est complètement dépassé, il est complètement dans la confusion. Dangereusement. Rudjagnat dit n'importe quoi. Hein. Mané, sanité, une cause de son mari. Tout ça là, il n'est même pas une checker. Mais il y a un décent. Une cause qu'il une cause en général. Par contre, moi, nous saluer l'attitude de comportement et la décision de Mme Narayan. Nous respecter les et il y en a
beaucoup à contribuer dans l'île Maurice d'aujourd'hui. Parti pour une tripartite, parti pour une compensation salariale, jusqu'à la lettre de bande syndicat datée le 26 novembre. Et c'est en l'absence de Lakshmi Narayanou, qui est le ministre du Travail d'abord, ensuite le conseil des ministres présidé par Xavier Duval, Jack Nantossi tire du pays, dans une absence qui finit fixé tripartite, et finit fixé date qui parlement pour joindre pour votre la loi de compensation salariale. Moi aussi, Lakshmi Narayanou, il devait tout faire. Jusqu'à une crise cardiaque, tout probablement. Ça m'en lit pas les pouces, le. Il pas les passes pour le méchant. Là, il est venu. Il rentre dans le jeu. Dis-moi, qui sont logiques? Depuis combien de temps, chaque fois qu'il y a une compensation salariale, ben, un petit salarié gagne plus, proportionnellement, qu'il ben, un gros salarié. Là, tu m'as venu, il saute l'autre planète, across the board. 150 roupies. Non seulement, il n'y a aucune logique dans ces affaires, across the board, là. Mais en plus, c'est qu'une brutalité. T'es qui ton livre? Et là, j'ai une bizarre, faire un effort supplémentaire. What a mess, comme j'ai causé.